Un avion de chasse de l'armée américaine perdu pendant 24 heures sans pilote à son bord a enfin été retrouvé. Cette histoire rocambolesque a en fait commencé dimanche dernier lorsqu'un avion de chasse F-35 de l'armée américaine survolant la Caroline du Sud a soudainement disparu des radars. Le pilote, qui s'était éjecté pour une raison encore inconnue, avait alors été retrouvé sain et sauf, mais pas l'avion. Les autorités s'étaient donc lancées à la recherche de l'appareil estimé à une valeur de 75 millions d'euros et avaient même pour cela demandé de l'aide aux habitants. Un appel à témoins évidemment moqué sur les réseaux sociaux. Après plusieurs heures de suspense, des militaires ont finalement réussi à localiser les débris de l'engin hier dans le comté de Williamsburg en Caroline du Sud. Pas de blessés donc, mais une perte coûteuse pour l'armée.